Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va préparer des arrêts d'agneau accompagnés de pommes de terre, de petites pommes de terre, et avec une délicieuse sauce. C'est une recette idéale pour Pâques et c'est très très facile à faire. J'ai préparé mon petit bol et tous les ingrédients et on commence par mettre l'huile. On ajoute le citron, le vinaigre, la paprika fumée, l'ail, l'origan, les échalotes. Je vais râper un cube de bœuf. J'ajoute la moutarde. Et on va mélanger tout ça. Maintenant, on ajoute le coriandre, le poivre et le sel. J'ai préparé mes arrêts, je les lavais, je les mis dans la cocotte. Et maintenant, on va mettre notre préparation par-dessus. Je vous l'ai dit que c'est une recette très très simple. Surtout la sauce à la fin, parce qu'on va la faire avec tout ce qui va rester dans la cocotte. Et ça va vous prendre même pas 5 minutes pour la faire. Et elle est vraiment vraiment délicieuse. Et pour finir, je vais ajouter le vin. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va mettre la cocotte pendant une heure. L'heure est passée. J'ai sorti ma cocotte. Vous voyez les arrêts. Ils ont commencé à cuire. Et maintenant, on va rajouter les pommes de terre. J'ai lavé bien le pomme de terre baby, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va le mettre bien dans les jus pour qu'il cuise dans les jus. On va enlever le morceau des arêts par-dessus le pomme de terre. Et on va mettre la cocotte encore une heure dans le four. En mettant le couvercle, bien sûr. Encore une heure après, notre manger est prêt, comme vous voyez. On va retourner nos arêts et on va le remettre au four sans le couvercle cette fois, pendant 10 minutes à quart d'heure. Comme ça, elles vont prendre de la couleur. Les arêts ont pris une très belle couleur et maintenant on va les enlever, on va les mettre dans un plat avec les pommes de terre. Comme ça, on va préparer la sauce. On prend une petite casserole avec un tamis et on va passer tous les jus qu'il reste dans la cocotte. On a récupéré tous les jus. On va mettre une cuillère à soupe de fécule de maïs. On va bien mélanger
pour diluer le féculent. Et une fois que c'est fait, on va le mettre sur le feu pour bouillir pendant 3-4 minutes en remuant tout le temps. Une fois que notre sauce est prête, on va la mettre sur les pommes de terre et les arrêts. Et voilà, comme ça, on est prêt à servir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, faites des likes, laissez des commentaires, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très très bientôt.